Et salut à tous et à toutes, c'est le Moucheur. Aujourd'hui on se retrouve, on va pêcher une super belle rivière, un super beau parcours. On va pêcher le lignon. Alors pourquoi le lignon? Parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de faire une grande rivière. Parce que je vais vous montrer une nouvelle technique que j'ai jamais fait sur ma chaîne, qui est peu connue aussi de beaucoup de pêcheurs. Donc aujourd'hui on va pêcher en Tankara. Tankara, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite canne. Toute petite canne. Bon là elle est pliée encore, hein, vous vous en doutez bien. Je vous expliquer un peu plus en détail après quelques plans sympas de rivière et puis voilà, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Donc, pêcher en Tankara. En gros, donc c'est cette canne dépliée. Donc, je vous montre. C'est une, on dirait en fait une grande canne à mouche. C'est une grande canne à mouche, c'est un grand fouet. Moi, la mienne, celle-là, elle fait 3,60 m. La seule grande différence qu'il y a, c'est bien sûr, il n'y a pas de moulinet. C'est une tresse flottante. Là. Qui est directement relié à la pointe de la canne. Donc qui dit pas de moulinet dit pas de réserve de fil, donc pas de soie non plus. Cette technique en fait je la classerai pile poil entre la pêche au toc et la pêche à la mouche. Je m'explique, on va pêcher donc à la mouche avec donc soit une nymphe, une mouche, une noyée ou un train de mouche, hein, ce que vous voulez, hein, comme moi aujourd'hui. Mais on va gérer ces dérives à peu près de la même manière que de pêcher au toc. On va devoir faire les gestes à la mouche, les fois les lancer, et puis on va gérer sa dérive uniquement de sa lame. On n'aura pas besoin de gérer donc une dérive de sa soie, ou on n'aura pas de soie dans les pattes, ou n'importe quoi. Après, c'est sûr, on est un peu plus limité en longueur pour pouvoir pêcher, par exemple, tout au fond d'une grande rivière. Mais bon, c'est quand même une canne qui fait 3,60 m, comme je disais. Il y en a des un peu plus grandes, il y en a des plus petites. Plus la longueur de la tresse, ça fait quand même, on peut aller jusqu'à 5-6 mètres de longueur, donc ça fait quand même des bonnes rivières. En fait, je trouve cette technique super bien parce que les gens qui pêchent au toc et qui veulent essayer à la mouche, c'est plus facile de commencer par ça, parce que du coup, il y a moins de choses à gérer, et on a quand même des sensations de pêcher à la mouche. Surtout si par exemple, vous savez pas si ça va vous plaire, investir tout de suite dans une canne à mouche, un moulinet, une fois, ça peut coûter vite très cher. Là, c'est des cannes en plus qui sont abordables. C'est un bon entre-deux, c'est bien sympa, moi j'aime bien. Le seul gros inconvénient, je dirais, comme il n'y a pas de réserve de fil, ou pas de soie. Si dans une rivière on tape vraiment une belle truite, un beau poisson, c'est vrai que s'il part de l'autre côté de la rivière sans qu'on puisse l'arrêter, autant à la mouche ou au toc on peut lâcher du fil pour pouvoir le garder tendu mais le garder quand même en portée. Là c'est vrai que si le poisson décide de partir et qu'on peut pas le suivre au bord de la rivière, qu'on peut pas le suivre, si c'est vraiment une belle truite, il y a potentiellement moyen que ça casse. Mais bon après c'est un peu le challenge, hein, c'est le but. Hein. Je recommande vraiment ça aux gens qui veulent soit se mettre à la mouche, ou soit tout simplement essayer de se mettre à la pêche. Hein. C'est un bon entre-deux, je dirais, entre la pêche au toc et la pêche à la mouche. On a de très bonnes sensations. C'est une action assez souple en la pointe, comme vous le voyez. Donc elle fait vraiment des bonnes sensations. Et voilà, c'est sympa. Allez, j'y retourne, je vais essayer d'en prendre une pour vous montrer.
Et regardez comme c'est beau. Hop, cliquez juste au bord. Bah voilà, moi j'ai fait mon parcours de pêche. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Cette sortie de pêche en tant qu'ara, je dirais. Je comprends pas pourquoi les gens ne pêchent pas plus comme ça. Peut-être parce qu'ils connaissent pas, tout simplement. Mais je trouve ça vraiment bien. En plus, je suis content de moi aujourd'hui. J'ai bien pêché, même si j'ai encore du chemin à faire avec cette canne, même s'il y a des choses où ça reste à améliorer. J'ai fait deux belles truites, surtout celle de la fin, dans le trou juste du fond là-bas vers la petite cascade. Je ne l'ai pas mesurée, mais je pense qu'elle faisait bien une trentaine de centimètres. Elle m'a fait une super belle touche. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous aimeriez que j'en fasse d'autres, des sorties de pêche en tant qu'ara. Moi, ça me plairait bien en tout cas. Puis voilà, si ça vous a plu, bah, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Surtout, le plus important, bah, n'oubliez pas, vous le savez, allez à la pêche.